Tozali awa na cours constitutionnel fidèle téléspectateur ya Congo Live Télévision nenge tolobaka ete tozali wana pona ko informer bino à temps réel et tokosala toujours mosala oyo pona ko permettre bino ya kozwa la bonne information et la bonne information c'est sur Congo Live Télévision. Nous sommes ici na kati ya haute cour ya République démocratique du Congo kota la wapi et pa wapi ba question ezalaki mo makasi et CENI ya République démocratique du Congo a salaki liste provisoire na ye a retenu 24 candidats et kroma ki bongo ngala ya cour constitutionnel haute cour République démocratique du Congo ye pa pesa verdict na ye a ko confirmer nani otokoloba a ko valider nani pe a ko invalider nani ezalaki bongo mosala oyo to ye ko sala lelo na kati ya haute cour oyo ko tala bandeko ya opposition Moïse Katumbi ba ye pe pona ba défendre situation na bango face ya accusation ya ndeko Mvwandi na ndeko Noel Tchani toye kotala yango pour que toye ba bosolo bosolo ezali nini na kati ya dossier wana est-ce que mwana mboka Moïse Katumbi azali nationalité congolaise douteuse to azali vraiment bel et bien nationalité congolaise na kati ya République démocratique du Congo yango toye kotala pe toye kotala pe mwana mboka Seth Kikuni affaire na ye pa yo ba accusa ki le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi e kosuka boni boni yango toye awa na kati ya haute cour oyo kotala ba dossier wana nyonso cour à Kolobanini et puis collectif y a avocat à Kolobanini et puis il y a puis monsieur Nyonso qui est dans la carte République démocratique du Congo yango wana pola na bilili to kosongela bino. À l'appui de ses prétentions, il a produit un article de Jeune Afrique et il a dit que de toute façon c'est des notoriétés publiques que Moïse Katumbi serait italien. Il n'a produit ni une décision des autorités italiennes reconnaissant cette nationalité à Moïse Katumbi, ni une quelconque décision des autorités étrangères attribuant à Moïse Katumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise. Par contre, la CENI a dit devant la Cour constitutionnelle, au regard de l'article 104 de la loi électorale, le dossier de Moïse Katumbi Tchapo était complet, en ce d'autant plus qu'il était versé l'original de son certificat de nationalité. Et que d'après la loi congolaise en matière de nationalité, la seule preuve de la nationalité congolaise, c'est la production d'un certificat de nationalité qui n'a pas été contesté à quelque niveau que ce soit, parce que c'est un acte authentique délivré en temps réel, en bonne et due forme par les autorités compétentes. De ce fait, nos avocats ont eu la tâche suffisamment facile pour revenir sur la campagne de désinformation, les procès d'intention et la légèreté de certaines procédures intentées sur base de oui-dire ou de déclarations dites des notoriétés publiques qui ne sont soutenues par aucun élément probant en droit. Au regard de cela, le parquet général près la Cour constitutionnelle a préféré demander un temps pour rédiger son avis par écrit. Et la Cour lui a donné un délai jusqu'au 30 octobre. Délai qui nous a aussi été donné jusqu'au lundi déjà. 30 octobre pour, à 10h pour faire son avis écrit. Délai qui nous a aussi été donné, le temps d'attendre la décision de la Cour. Nous sortons de cette audience encore beaucoup plus sereins que nous y étions entrés, si tant est que nous aurions eu besoin de ne pas être sereins en entrant. Une chose a été démontrée, la cabale, la méchanceté, la désinformation et surtout l'absence de preuves en ce qui concerne Moïse Katumbi. Il est fort dommage qu'à un si haut niveau des juridictions de notre pays, des individus se permettent d'intenter des actions sur base d'un recyclage des propos par oui-dire et des rumeurs qu'on trouve souvent dans les labos et officines de certains partis dont le fonds de commerce n'est que les mensonges et l'attribution des nationalités électorales. Nous pouvons rentrer dans la sérénité parce que dénier à Moïse Katumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise, lui attribuer une nationalité autre que la nationalité congolaise, c'est renier le droit congolais en matière de nationalité, ce qui est juste impossible. S'il vous plaît,
Kasi tangu babengi si ye mo kalobi e pa ya bazuzi yete. Ye aya ya ki kofunda Moïse Katumbi tena makambo etala ki kontasi ya candidature. Ye mo kakamu enenge ni dossier ngo e kokoma awa. Na yango asengaki dossier ngo elongwa ba déclarant ngo babengi na lopoto irrecevable to bakolanda ngo lisusu te. Yami balé zalaki ndeko Noël Tiani. Ndeko Noël Tiani na bokuse ya lobaki seni asali mbeba na nenga ndimaki candidature ya ndeko Katumbi po ya yebi ete ndeko Katumbi azalaka Kongolo ete azali italien sikoyo na mikanda ndeko Tiani amemaki amemi article moko ya photocopie ya Jeune Afrique azwaki na internet oyo balobi ete mukolo moko bayokaki neti ke batu moko ya Italie balobaki ke mutu moko lokola na Moïse Katumbi tangu mususu azwaki nationalité italienne sikoyo totuni soki ata libanda ya article wana azali to na passeport moko ba italien ba pesa Moïse Katumbi azali to na mukanda moko ba autorité italienne to batu ya mboka mususu ba pesa Moïse Katumbi azali to na journal officiel moko bimisa kombo Moïse Katumbi na nationalité mususu nyoso wana ezalaki talobi batu balobaka kaka ke azali na nationalité wana na yango tango ekomi bongo senye lobi ete ndenge mibeko na biso elobi mingi mingi na article 104 ya loi électorale ndeko Moïse Katumbi na mikanda oya memaki pona atia candidature na comme président de la république amemi mikanda nyoso enge bene na mibeko ya mboka na biso endima mingi mingi certificat de nationalité na yango amonite ndenge nini akukai kosala eloko mususu a part kondima Moïse Katumbi candidat enge bene na mibeko na biso yango wana basambi na biso ba avocat na biso bazwaki penda musala ya malamu ya komema makambu ndenge mibeko lobi ya kosenga ba preuve ba memite ya kolakisa ya solo ete Moïse Katumbi azalaka candidat awa comme na 2006 comme député national cour constitutionnel yemoko indimaka yango en tant que congolais ata mukolo moko te Moïse Katumbi a perdu la nationalité congolaise batu nyoso bayaka kofunda kazana nationalité te bamemaka eloko misusu te bayaka kaka na masolo bayokaka bino boko boyebi na batu moko musana na bango ezalaka na ba élection nyoso kopesa na batu ba nationalité eloko mi Burundi eloko mi Cameroun eloko ozala Sénégalais toyebi bango kasi wana eloba makalibanda libanda ezala wenze kasi devant bazuzi bayaka na ba preuve ndeko Tiani lelo amemi ata preuve moko yangwana parquet général ya cour constitutionnelle lobby ba pesa etango asala oyo babengaka avis to likanisi naye akomango par écrit biso nyoso le 30 octobre tokoyawa potoyoka décision ya suka mais loko musuna ngina bakisa loko musuna ngina bakisa ezake bo retenir loko moko c'est que requête ya Noël Tiani ekota hors délai. Délai ezali 48 heures après avoir publié la liste ya la ka le 19 Noël Tiani est au côté le 23 et il est 4 jours après. Donc, si on a une requête et l'andaki, sur le bas ministère public, il est au côté le 23, il est hors délai. Donc, il y a Noël Tiani qui est au côté parce que sur le plan du droit, il est hors délai. Donc, il est le 23, date aux limites, il fallait côté ça. Le 21, il y a même les deux jours. Donc, de ce côté-là aussi, il faut que l'on Bakoti ka l'Europe ça y résoté parce que écoute il hors délai bakota la route surtout que dossier moko lelo ya mutu moko non il y a dossier 7 qui connaît parquet général et lobby pas côté ça yango le 23 bakoti me kolomo le 23 ba déclarant hors délai il fallait que écoute ya Katumbi pe alo bakala de voilà hors délai parce que yango pe kota ki le même jour donc to ça la confiance to ebike tant que ça l'ango par écrit a kokomaka hors délai pour yemo ka lobaki wana musu ya hors délai po akoka kolobate que ya 7 ya laki hors délai et bon ya ya Tiani et comme il dans les délais to yebi place à recevoir la délai te donc et loko za te dossier au koya ka merci. On est fort! On est fort! On a déjà parlé. La voix de l'Amérique est ici. La voix de l'Amérique est ici. D'accord. Ok, on va y aller. Tu réponds? Oui, je réponds. Donc, l'audience de ces jours a consisté en deux procédures intentées contre Moïse Katumbi. La première a été intentée par M. Junior Tshivwadi, la deuxième par M. Noël Tiani. Monsieur Tshivwadi s'est rétracté devant la barre
en estimant qu'il n'avait jamais introduit une action en contestation des candidatures de Moïse Katumbi et lui-même avait été surpris de retrouver sa procédure dans cette affaire. Donc il s'est rétracté immédiatement, l'affaire a été déclarée irrécevable. S'agissant de M. Noël Tchiani, il a contesté en substance la décision de la CENI retenant la candidature de Moïse Katumbi parce qu'il estime que M. Moïse Katumbi n'aurait pas eu la nationalité congolaise. Mais il n'a produit à l'appui de sa requête qu'un article tiré sur Internet attribué à la revue Jeune Afrique où on aurait dit que Moïse Katumbi n'a pas la nationalité congolaise. En dehors de ça, il n'a pas produit ni un passeport, ni une publication d'un journal officiel, d'un moniteur ou quoi que ce soit, ou même un début d'indice devant attester d'une nationalité autre que la nationalité congolaise détenue par Moïse Katumbi. La CENI, par contre, intervenant comme experte, a démontré qu'au regard de l'article 104 de la loi électorale, la complétude des dossiers produits par Moïse Katumbi et particulièrement l'authenticité de son certificat d'enregistrement qui est conforme à la loi électorale. Et qu'au regard de cela, il n'y avait pas d'autre option que de retenir la candidature de Moïse Katumbi, ce qu'elle soutient encore aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle. Le parquet général près de la Cour constitutionnelle a sollicité un délai pour émettre un avis par écrit plutôt que sur les bancs. Et comme le relève d'ailleurs pertinemment mon confrère Francis Kalombo, parmi les arguments que notre défense a eu à soulever, il y avait notamment la tardiveté des délais de la requête de Noël Tchiani qui a été introduite le 23 octobre, alors même qu'au regard de l'article 107 de notre loi électorale, les délais à partir de la publication de la liste par la CENI sont de 48 heures, irrépressibles et on ne modifie pas. C'est même intéressant parce que dans cette audience aujourd'hui, dans l'affaire des 7 Kikuni, la Cour a retenu, sur requête du ministère public, la tardiveté dans la requête des 7 Kikuni qui a été introduite à la même date que celle de Noël Tchiani. Donc nous attendons ce 30 octobre, mais nous partons encore beaucoup plus sereins que nous sommes venus, nous l'étions déjà, parce qu'aujourd'hui le droit démontre clairement que tout ce qui est dit contre Moïse Katumbi sur sa nationalité est le fruit d'un recyclage des racontars des rues, mais n'est soutenu juridiquement par rien, et on ne vient pas avec des déclarations de notoriété publique lorsqu'on s'adresse à une haute cour, surtout la Cour constitutionnelle statuant en matière de contentieux et de candidature. C'est moi qui vous remercie. Je vais savoir un peu le résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais grosso modo, j'avais introduit une requête à la Cour de cassation, à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de la candidature de M. Katumbi comme candidat à la présidence de la République, qu'il soit purement et simplement le candidat. La Cour nous a entendu, nous avons avancé comme argument le défaut de nationalité congolaise. Et la Cour a entendu tout le monde, nous a entendu, nous les requérants, a entendu aussi la partie, les avocats qui représentent M. Katumbi, a entendu aussi le point de vue de la CENI. Je pense que les notes de plaidoirie seront déposées le lundi à 10h ou plus tard et la Cour va se prononcer d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous avez produit quelques documents? Nous avons produit les éléments, mais aussi ce sont des faits de notoriété publique. On a mis tous ces éléments à la disposition donc de la Cour. Je ne vais pas aller dans les détails, je voudrais laisser ça au juriste. J'estime que la Cour a pris en délibéré par conséquent, il sera étudié. Et je vais vous dire une chose, que dans tout ce que nous faisons, nous défendons le drapeau de la RDC. Nous ne voulons pas que la RDC tombe sous la domination de quelques personnes manipulées par l'extérieur ou bien eux-mêmes qui n'ont pas la qualité d'être congolais. Je vous remercie. L'avis de l'argent de la loi a été déclaré irrécevable. Nous sommes convaincus, quoique l'organe de la loi a décidé cette affaire, de le prendre en communication,
au moment opportun, il est dans l'obligation, puisque nous l'avions dit, nous ce sont de les dire que le juge et l'organe de la loi sont soumis à l'autorité de la loi. Au moment opportun, comme nous se sommes dit, cette affaire sera déclarée irrécevable par le simple fait que cela a été déposé au-delà du délai prévu par la loi. Jusqu'à présent, la décision de la Cour constitutionnelle n'est pas encore prise. Mais à votre avis, la Cour, elle est partiale ou impartiale jusqu'à présent? Vous savez, étant avocat, je suis dans l'obligation de croire à l'impartialité de la justice congolaise. Il s'agit bel et bien de la Cour constitutionnelle, donc la toute première institution judiciaire de notre pays. Nous étant avocats, nous croyons que la justice fera son travail, puisque nous cesserons de dire que la justice ou le juge près de la Cour constitutionnelle, comme tout juge, sont soumis à l'autorité des lois. Ils ne feront qu'appliquer la loi. Est-ce que vous pensez que la Cour va blanchir M. Katumbi? Il ne s'agit pas de blanchir, puisque Moïse Katumbi, notre client, n'est pas sali par une question Y ou Y. Nous disons qu'il ne peut pas recouvrir la société congolaise par le simple fait qu'il n'a jamais parlé de la société congolaise ou n'a jamais détenu concurremment la société congolaise avec une autre nationalité. Et donc, tout ce qui a été développé par M. Tchani dans sa requête, cela a été démontré, ce n'est rien d'autre que des grands contents. Il n'a pas été en mesure de démontrer avec des éléments probants pour y attester que M. Moïse Katumbi Tchapé avait détenu la société congolaise contre une autre nationalité ou il avait perdu. Donc, vous comprenez que c'est une action qui n'a pas de soubassement juridique au moment opportun. Nous, nous croyons que les juges près de la Cour constitutionnelle sont dans l'obligation de rien d'autre que d'appliquer l'autorité de la loi et l'autorité de la loi au même titre qu'on. Ils ont, par l'avis du ministère public, considéré la requête de M. Seth Koukouni. Ils recevaient pour la tardivité de l'action. Ils y offriront de même pour l'action de M. Tchani, qui a été déposée également la même date que celui de M. Seth Koukouni. Votre dernier message? Vous savez que nous pensons que l'armée du Congo, notre pays, est un état de droit. Nous y croyons fermement que les juges près de la Cour constitutionnelle feront appliquer que la loi régionale. Votre nom s'il vous plaît. Maître Normand Santi. Maître Namo Lingala, parce que les Congolais, Bazali, moi et Belé à Kolandayo, Lelo, ils vont retenir Nini quant à la situation Oyo, Lelo, tu as dit qu'il y a un coup constitutionnel. Oui, bien, mon collègue, Lelo, Pambate, Bahi, coup constitutionnel, et qui n'a ma canonie balé, ça a présenté devant coup constitutionnel, notamment dossier à Messier, tu vois, Tepi, à Messier Tchani. Mais si tu vois, tu as démontré clairement que Ayebi Makambo était. Et la conséquence, le juge a déclaré irrecevable. Tu remets ton solo dans un côté. Pour M. Tchani, je vais préciser. Pour M. Seth Kikuni, a posé qui peut action requête contre qu'on a tiré M. Félix Chilombo, tu sais qu'il dit. Le juge a conseillé le bien a déposé un mot si tu as qui. Au lieu de poser au-delà, il y a deux jours, il y a publication le 19, notamment le 21, il y a déposé le 23. Le lendemain, mon copain a M. Tchani. Il y a un avocat, il y a M. Katumbi, qui a été. Le juge près de la Cour constitutionnelle, le lendemain, quand on a entamé de marche, il y a un dossier, il y a M. Seth Kikuni, qui a entamé. Et Nassimana Yango, M. Seth Kikuni, M. Tchani a démontré que les mamans côté à droite. Il y a raconté tantôt l'article, il y a Jeune Afrique. A été des éléments probants pour démontrer que M. Moïse Katumbi Tchapé aurait dit obtenir concurremment la société congolaise dans la société Moussoussou, M. Moïse Katumbi a parlé de la société congolaise. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons dit dans le poteau, il y a dossier Moko, il y a un soubassement juridique, il y a dossier Moko vite. Moïse Katumbi Tokoli qui a été juge à la Cour constitutionnelle, le Cour a juge au bas et soumis caca. La Mibeko Yamboka, Bako appliqué Mibeko Yamboka, Bako rejeté, Bako le Bayete, c'est une action irrecevable. Nous avons mis le poteau, Bako ticket, Bako candidatou, Bako concourir en toute légalité. Maître, Bako Congolais, Bako Landayo, le Loyo, Bako Zela, était les 30 président de la Cour constitutionnelle, Pekour Mobimba, Bako promette, Bako Pesa, véridique Kinabango. Est-ce que Bako Congolais, Bako espérer que Mona, le président Moïse Katumbi a compétir pour la Makonami. Vous savez, il y a un grand Congolais, étant un avocat de mon État, la colis qui a été kaka juge après la Cour constitutionnelle, pour appliquer kaka libé, pour appliquer kaka loi. Donc, étant avocat, la colis qui a été, pour appliquer kaka loi. Pas maté la colis étant qui est avocat, et donc, ton cause la Mokolo, il y a le 30, après ça, il y a un peu de déposer notre appel de rien à l'issue, arrêt à la Cour constitutionnelle. Mot de la fin au côté, message que vous pouvez faire à la Congolais.
kakamibe koli koninde kozala odela ya bato bato kozala likolo ya mibe kote ba biso tout ko se soumettre to koto sa mibe ko e mibe ko e ko kamambo kala biso. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Après avoir koyoka ba collectif ya ba avocat ya opposition et pa yapi bande ko nyo so ezala ba nikoma le maengele kote ya ya cette kikuni ezala maître Hervé Diakese na kote ensemble puis maître Francis Kalombo toujours na kati ensemble pour la République to siliko kanga to kozela le 30 octobre o ezali un certain lundi et pa yapi ensemble ya cour constitutionnelle ba ko pesa verdict na bango mais bande ko balobi ete bazali serein quand ya ba dossier pe ya ba situation o bango basali mais biso to kozela le 30 et pa yapi président ya cour a ko se prononcer quand ya ba situation o ezali na kati ya ba dossier nyonso awa na cour constitutionnelle na bandi ete botika la malamu to ko continuer toujours ko informer bino à temps réel.